ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'informations sur Culture FM. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres de votre journal. 29e édition de la Femme Rurale, célébration ce jour dans le triangle Ezeka, Idea et Kribi. Drame à Botmakak, un enseignant, des parents décapités. Enfin, formation professionnelle, le conseil de direction du CPF des ECA fixe de nouveaux objectifs. Voilà pour le sommaire et à tout de suite. Une fois de plus, bonjour. La femme rurale a l'honneur ce jour. C'est dans une ambiance festive que ces Amazones de la terre du Nyon-Ekélé, Sanaga maritime et de l'océan ont célébré cette journée qui leur est dédiée. Discours, expositions captivantes, remise de prix honorifiques et une parade colorée ont meublé cette 29e édition placée sous le thème « Femmes et import, substitution, opportunités et défis ». Écoutons la réaction de quelques femmes au cœur de cette célébration. La transformation de ce que nous produisons, c'est justement par rapport au thème de import substitution qui a été émis cette année pour la fête de la femme rurale. Donc nous encourageons les femmes à produire et à prendre à transformer pour conserver leur production sur le temps. Nous sommes là aujourd'hui pour présenter ce que la femme sait faire et permettre à ce que la femme puisse présenter ses produits au monde, à ses frères, à ses sœurs, au monde entier. Nous faisons dans la production et la transformation du manioc. Ici, nous avons tous nos produits dérivés du manioc. Nous avons la farine de manioc. Avec cette farine, nous pouvons fabriquer le savon, nous pouvons faire les yaourts, la farine de pot de manioc, avec laquelle nous pouvons faire des gâteaux, des biscuits et le pain. Nous avons le tapioca, nous avons le yaourt de manioc.